Ça va bien, ça va bien. La grande quantité. Où ça qui dira? Et un barbou. Ça va? Regardez à l'embas. Très bien. Évidemment. Ça va très bien. Là, vous êtes dans le laboratoire de la base, qui est un laboratoire de référence d'abord pour l'organisation et l'aspect de la santé, pour également le réseau d'AP, parce qu'on couvre tant les pays de la Fédération de France. Nous sommes également en laboratoire de référence pour mieux moi, pour le contrôle de santé des patients. Nous avons une vocation première, c'est la mission régale, diagnostic de toutes les maladies d'origine allemande. Nous participons également dans le cadre de l'agence de santé. Prioriser donc pour les activités sur toutes les maladies zoonotiques, comme la rage, le charbon, etc. Dans le cadre de la stratégie nationale d'éradication de la peste des petits, qui est un programme mondial d'ici 2030, donc le Sénégal doit pouvoir éradiquer la TBR. Et pour cela, nous participons vivement donc, à cette stratégie en faisant quoi? Laissez le montrer. Contrôler est-ce que la vaccination qui s'est fait immunitaire est bon. Ensuite, voir le niveau d'immunité des amis. Ça, on le fait au niveau du laboratoire. Pour cela, nous avons reçu 20 000 échantillons qui ont été testés après peut-être une. Et on a également aujourd'hui, on est en train de tester 20 000 autres échantillons. Mais sur les 20 000 autres échantillons, il n'y a que le tiers qui a été testé. Et ça aujourd'hui, nous allons faire tous les échantillons de 2019. Et tous les échantillons de terrain et également au niveau de laboratoire. Nous sommes là pour faire la direction à temps réel. Aujourd'hui, par exemple, toutes les maladies que vous entendez parler, risque. La maladie de la paix, tout a été testé à temps réel. C'est extrêmement élevé. Comme vous le savez, le Covid, les tests chaque 40 minutes. Aujourd'hui, tous les tests qu'on fait, c'est le même test que les autres. C'est extrêmement élevé, nous sommes obligés de faire cette mission régalienne. Aujourd'hui, je pense que nous devons avoir la clé. Voilà un gros, monsieur le ministre, donc ce que vous voulez, c'est pas comment dire, et vous montez tout sur le plateau. Aujourd'hui, nous sommes ici. Bonjour. Monsieur le Président, donc vous avez dit ici au niveau de ce laboratoire-là. Mais ce laboratoire a également une vocation régionale et sous-régionale. Parce que nous appuyons aujourd'hui 35 pays de la région de l'Ouest du Centre pour confirmer les diagnostics des maladies transfrontalières. Nous sommes le laboratoire de référence pour toutes les maladies zoonotiques car nous sommes à l'origine. Donc, comme vous le savez, donc, c'est ça une fonction de l'émission régionale.
L'autre élément que je voulais souligner, vous voulez vous dire un lieu utilisateur. Mm-hmm. Mais pour faire du vaccin, il faut une source. La recherche se fait à ce niveau. Mm-hmm. Donc toutes les sources vaccinales sont réceptives au niveau de la recherche. D'abord, quand la source est... Les hommes vivent avec les animaux. Vous allez dans les exploitations familiales, c'est les femmes qui gèrent les chèvres, c'est les femmes qui gèrent les moutons, bon, les cultures. Mais il faut que les gens sachent que, hein, qu'il y a des maladies qui sont des plus heureuses, ça peut passer facilement. Vous voyez ce que nous visons avec le coronavirus, il y a beaucoup de les gens parlent beaucoup d'où est-ce que ça vient, et tout. Mais eux, ils ont des caractérisations de différents types de virus de corona. Hein. Ils sont ici au niveau de ce laboratoire, ils sont bien conservés, même sur lesquels ils sont en train de faire encore des études. Donc vous dites donc ce laboratoire, vraiment c'est vraiment très très important pour le discours. Et on aimerait aussi qu'on augmente encore la puissance de ce laboratoire, parce qu'il faut aller qu'on aille au niveau P4. Bon, on est à niveau P3, tu vois. Donc, P4, c'est vraiment total biosécurité. Au niveau du CELAS, c'est deux fois. Les champions sont arrivés de la part, il y a une personne en charge qui trie en fonction de la symptomatologie, en fonction de la demande de la vie. Qui oriente le prélèvement dans un laboratoire de biologie. Il y a ici, c'est le laboratoire de biologie. Quand c'est un prélèvement pour la biologie, le prélèvement arrive ici. Donc, donc extraire le matériel génétique dans les champions, ensuite le mettre donc, au niveau de la salle de Gans, où on a établi un rapport, un mémorandum adressé aux autorités vétérinaires. Quand c'est la rage, on n'attend pas. Quand ça arrive tout de suite, il faut donner des résultats. Et quand on donne des résultats, il permet donc à l'agent de terrain, qui va informer donc le ministre de la Santé pour actionner. Donc voilà un gros point. Et donc c'est un ensemble de c'est les hôtes que vous voyez là-bas, c'est les hôtes qu'on appelle hôtes à qui est extrêmement, qui protège donc l'échantillon, mais qui protège également l'environnement dans lequel nous travaillons. On passe par là, on extrait le matériel génétique uniquement de ce qu'on a besoin. Le reste de l'échantillon, on détruit. Quand on appelle la Tanzan, tous les échantillons qui arrivent ici sont des donc à faux potentiel, donc on sort. Le cycle qu'il faut avoir pour dire que ça c'est positif, c'est là où on a testé 14 000 échantillons pour dégager les coronavirus. C'est là où on a dégagé pour montrer quels sont les coronavirus qui sont dans la faune sauvage, chez les primates non humains, chez les chauves-souris et également chez les rongeurs. Donc quand on parle de coronavirus, donc c'est d'abord depuis 2019 jusqu'à la santé. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous participons vivement à toutes les réunions du ministère de la Santé pour apporter notre expertise en matière de coronavirus. Ont eu les coups, si vous voulez, des relations entre les autorités et les populations. Quand les, moi j'ai visité, c'est là, enfin, j'étais ici en 86-87 avec Jacques Frère. J'ai travaillé quelques moments pour Bab. Et ça participe, si vous voulez, un peu à nous permettre d'être encore davantage ensemble, de croire en nous. Mais on est en train de penser dans nos quartiers que tout ce qui se fait là, ça vient de l'autre. C'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Ça participe en tout cas à forger le sentiment national. Et je pense que ce serait bien que quelque part, on améliore justement cette communication. Parce que là, je suis, voilà, tout Sénégalais. Ouais, merci beaucoup. Donc la destinée, pour laquelle d'ailleurs Bistra nous construit également un laboratoire de niveau élevé. Là, il y a des sources aujourd'hui que si ça sort d'ici, sans pouvoir avoir des normes de biosécurité, ça sera la catastrophe. Donc c'est pourquoi on a également un backup également des concentrateurs de moins 80. On a de l'azote liquide, ou toutes les sources, que ce soit le charbon, que ce soit le botulisme, que ce soit la fibre de la veille de riz, on a des sources au niveau donc, de ce laboratoire-là. Se trouve la grande partie du travail. Parce que le lyophilisateur se trouve en bout de chaîne. Il nous permet de lyophiliser le vaccin. Mais tout se fait dans ces locaux. Il faut montrer ce que c'est. Donc il y a les hôtes. L'état liquide à l'état pastille. Oui. Et ça, donc c'est la culture de l'eau. Ici. Thank you.
Maintenant, vous voyez, c'est beau, c'est grand, mais il faut faire marcher cette marmite. Vous ? Il faut faire marcher cette marmite. Il y a le personnel qui est derrière, qui est encore vraiment très limité, mais aussi il faut beaucoup d'intrants. Beaucoup d'intrants, parce qu'il faut un travail en amont extraordinaire. Il faut faire beaucoup de lots, pouvoir les assembler pour faire une mobilisation. Parce que ça coûte cher de faire marcher cet appareil. Donc, au maximum. Et puis, on fait marcher cet appareil que si on a un temps de. Voilà. Ça, c'est sorti hier. Voilà. Le sous-froid. Je crois que quand on recommence à vacciner, il faut faire rapidement parce qu'on tue et on mange de l'eau uniquement. Je pense que là, c'est important. La lyophilisation finale du vaccin pour le sortir. Mais pour y arriver, il y a beaucoup de travaux à faire en termes de personnes qualifiées, mais en termes d'intrants. Les intrants ne sont pas des intrants qui sont au Sénégal, ils sont importés. Par contre, sur la capacité, au moment où on devait faire. On doit 4-5 kilos en beaucoup de l'utilisation de l'utilisation. On va le faire de l'utilisation. Donc, c'est du rien, vraiment. Mais il faut en voir en avant pour préparer cette utilisation. Voilà, ça, c'est une démonstration. Comment on fait rentrer. Ah oui. Voilà, le test là maintenant. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de l'utilisation. Donc, ça, c'est vous venez de demander à une délégation délégation spéciale à l'équipe du marché là pour qu'on puisse acheter. Voilà. Non, il y a eu un exemple. On a fait un appel d'ordre international. Le fournisseur sud-africain était de moitié moins 10 ans que le plus petit, le moins 10 ans sénégalais. Il était de moitié moins 10 ans que le plus moins 10 ans sénégalais. Vous voyez ce que ça fait? J'ai entendu le chef d'État dire que pour des cas spécifiques. Avec la maison mère, on a c'est pas